1-1, Hotel Romeo 7, 8, and 2 visitors from Genève. This in Uganda. Affirmatif. On va en Ganza. C'est un des lieux où il y a eu pas mal d'exactions durant la rébellion Kamuinatsapu. Apparemment, ici, c'est un fragment d'une arme lourde. Il y en a quatre ici. Apparemment, ça, c'est du sang. Ça aussi. Donc il semble qu'ici, c'était un lieu de détention et d'exécution. Et généralement, c'était les enfants qui ont été, les enfants de grand âge de 8 à 12 ans, 15 ans, qui ont été recrutés pour cette initiation. Tu sais où ils ont mis les corps après? Mais ils étaient venus avec des véhicules. Dans le fossé ici derrière. Non. Et là, on va descendre vers le petit ravin où auraient été jetés des corps. Il dit qu'à cet endroit, à cet endroit se trouvait une tombe. Et à l'intérieur de cette tombe-là, il y avait vraiment beaucoup d'os. Tu crois qu'on peut encore trouver des choses? Là où on n'a pas exploré, c'est dans le ravin-là. Essayez d'explorer s'il y a des restes osseux, parce qu'en fait, ici, c'est pas une sépulture, c'est plus un charnier, un lieu où on a jeté des corps, parce qu'on nous a annoncé à peu près une trentaine de corps, quelque chose comme ça, par là. Et donc, on aimerait voir ce qu'il y a en bas. La dernière investigation qu'on a fait, on a fait décoller le drone de cette partie pour filmer toute, en grille toute cette zone-là. Ça a été détruit. Le bureau de la MONUSCO nous vient en appui dans le cadre de la justice. Mais les poursuites, c'est l'auditorat qui engage les poursuites. Parce que dans la justice, ce sont les preuves qui comptent. Sans preuves, le procès ne peut pas aboutir. Dans le cadre des investigations sur l'affaire de Nganza, on a appris par les témoignages que celui avait été assassiné pas mal de monde et qu'ensuite les corps de ces personnes avaient été, a priori, jetés dans un petit ravin qu'on voit très bien ici. Et vous voyez qu'ici, on a des impacts qui ne sont pas systématisés, qui correspondent vraiment à un mitraillage. On cherche les lésions osseuses et on met ces lésions osseuses en conjonction avec tel ou tel type de balle. Donc quand on combine tout ça, nous on apporte cette preuve. Nous on apporte simplement, voilà, ce corps, il est mort de ça.